Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous? Moi, je vais très très bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 10 Watch Dogs. 10 est un beau cap, j'ai envie de vous dire. Et on continue avec la recherche de mon beau... Enfin, non, pas de mon beau-fils, de mon neveu, tout simplement. Et puis, il s'est isolé, et j'ai reçu un SMS qui dit « Ouais, mais il y a des monsieur qui me poursuivent. » Merde, qu'est-ce que Jackson Bon, bref, quoi qu'il arrive, on va le sortir d'affaire, le pauvre. Il faut qu'on racine. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est à la mafia, et après les enchères... Ces types vont être sur leur garde. D'accord, donc le neveu s'est mis dans une panade, les gars, mais genre une panade... Ah ouais, d'accord, tuer tous les ennemis. Là, c'est en mode méga vénère. Hein. Là, on rigole pas pour le neveu, les gars. Ok, on va voir un peu la progression. Regardez comment ça avance méga vite. On a peut-être fini l'acte 2 dans cette vidéo. L'acte 3, c'est seulement, entre parenthèses, 8 missions. Je pense qu'elles seront assez courtes, quoique. Et le dernier arc ne... Acte, pardon, ne compte pas vraiment parce que il n'y a qu'une mission, par contre celui-là, 8 et 6. Donc j'ai envie de vous dire, une fois avoir fini ces deux-là, on a fait une bonne moitié du jeu. Alors, on doit éliminer tous les ennemis, ça va être très très drôle. Ou pas, j'ai envie de vous dire. Donc soit j'y vais à la bourrin, soit j'y vais en mode. D'accord, très bien. Ok, parfait. Donc déclencher l'alarme, ça c'est bon ça. Ok, pas du tout. Comment je vais faire? J'en ai aucune idée pour l'instant. Peut-être en contournant par là. Oh là 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 là, j'ai eu tellement chaud. Bon. Bah écoutez, on va longer comme ça au calme. Je vois pas trop comment y aller. Faut que je tue tout le monde. Ok. Ça, c'est fait. Bon, bah écoutez, allez, on reprend le MP5 et c'est y parler Lascar. On va... Non, mais qu'est-ce que je suis con. J'ai cru lire protection, alors je fais un carré pour l'activer. Je me dis au retour, ça peut être utile. Au final, ça me... Ah non, mais alors ça, c'est le magnifique fail de départ, les amis. C'est parfait, hein, pour commencer une vidéo de toute beauté, évidemment. Bon... bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va même pas se prendre la tête, on va juste sniper et basta. Emballer c'est peser, j'ai envie de vous dire. Parce que là, si je commence à faire gaffe à tout, on n'a pas terminé. Oh pardon, c'est rien, la balle est juste partie par mes gardes. C'est rien les gars. Alors, eux. Ok, on recharge. Lui et... Voilà, petite double headshot. Ça passe plutôt bien, écoutez, pour commencer en toute beauté. Faut que je tue tout le monde? Parfait. Bah écoutez, on va le faire de suite. Voilà. Voilà. Et voilà, tu n'as pu appeler personne. Personne n'est au courant, donc c'est parfait, je ne suis pas grillé. On va pouvoir directement continuer, je reprends mon MP5 au calme. Et puis je vais à l'intérieur du bâtiment, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a beaucoup de choses à faire exploser, il va falloir que je fasse très très gaffe. Voilà, merci, au revoir, tu ne m'intéresses pas. Bientôt un niveau supérieur. C'est qui? D'accord, Yul, c'est le type qui me tire dessus là. D'accord, très bien, il y en a qui peuvent passer à des endroits improbables. Voilà. Concernant ta mort à toi. Oh, comme par hasard derrière, please. T'es où? Non, j'essaye pas de te descendre. Je te descends, c'est différent. Voilà, ça, c'est fait. Arrête le ralenti, s'il te plaît. Des fois, il est assez relou à arrêter le ralenti. Allez, dépêche-toi de recharger. Y a pas une sorte de passe-passe là-dedans? Voilà, c'est fait. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non, mais please, quoi. Très bien. Hop, ça, c'est fait. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du hacking de qualité. Ok. On va monter là-dessus, histoire de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Et puis, on va prendre le sniper. Oh! Je sais pas que ça ait tué en pleine tête, ça. Ça, c'est bon, ça. Ok. J'ai envie de vous dire, ça c'est fait.
ça c'est fait. Ça aussi c'est fait. Allez, allez. Voilà, merci, tu n'appelles personne. Merci, au revoir. Bon, il ne reste plus qu'une personne qui est tout simplement là-haut. On m'explique le mec qui a une précision quasi parfaite. Merci, au revoir. Bon, là c'était, vous avez vu un Eden Pierce en mode assez vénère, hein, c'est-à-dire un mode Mr. B-Boy activé. Putain, faut encore monter, faut s'en déconner quoi, il est où le type? Ok, on tira de ça. Bonjour, coucou, je cherche le neveu. On va te mettre à l'abri, viens. Allez, Jackson. Allez, viens. On y va. Qu'avait Jackson de me regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que je deviens? Eh ben, écoute, tu deviens juste un mec qui a envie de se défouler, c'est tout. Un mec qui veut tuer des gens dans le respect. Dans le plus grand des calmes et des respects, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Et ça, c'est beau, les gars. Alors, on va continuer, Jackson a été sauvé maintenant, je pense qu'après ce qu'il a vu, il ne se sauvera plus. Et puis on se refait un beau petit temps de chargement familial en plein milieu de gameplay, ça je trouve ça un peu dommage. Il n'y en a eu que deux hein, qui sont venus en 10 épisodes, mais enfin, bon. Ah oui, c'est parce que ça me téléporte à l'autre bout de la ville, d'accord, très bien. J'aimerais vraiment pouvoir tout expliquer. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c'est pas facile. Écoute, Jackson. Le temps que j'aille m'occuper de ces types. Je veux que tu sois en sécurité. Ça me rendra plus fort. Je suis comme le soigneur. Oui, t'es comme lui. Sauf que c'est qu'un jeu. Je vous préviens, si je n'ai pas de nouvelles de sa mère très vite, j'appelle la police. Oh, l'autre, elle va me foutre dans la merde, la nounou en carton, là. Pas bon, ça, les gars, pas bon. Ok, figure parentale, mission complete, encore une fois. Eh ben, écoutez, eh, on avance assez bien. Oh, d'accord, très bien. Il se met à pleuvoir d'un coup, comme ça, parce qu'il devait pleuvoir dans le jeu. Bon, c'est parfait. Bon bah écoutez, en attendant, je vais m'attribuer mes points de compétence avant que l'appel... Merde, c'est pas du tout ça en fait. Bedbug, c'est moi. Hop. Bedbug, lui... Ah oui, je l'avais totalement oublié ce type en plus. Il y a tellement d'histoires d'un coup d'un seul que... ça c'est intéressant, transformateur bof. Écoutez, on va améliorer un petit peu le système de combat. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça c'est quoi? Améliore la rapidité? Non, bof. Augmente la quantité d'explosifs transportables. Bof, réduit considérablement les dégâts infligés par les explosions. Ça, ça peut être intéressant. J'ai combien? J'ai que 4 points, alors on va se concentrer un peu plus quand même. On va essayer de trouver mieux. Réduit le risque de détection quand vous courez. Ça, ça peut être pas mal. Ouais, bah écoutez, bah j'ai plus de points. D'accord, ça c'est bon ça. Et ça, restaure le focus lorsque votre niveau de santé est faible. Ça, c'est bon aussi. Ah, salut mec. Je voulais te remercier. Hop, on va juste afficher sur la carte au calme
la mission principale pendant que Monsieur Blackburn nous parle. Pardon. Mais il croit bien que c'était toi, au moins. Ouais, ouais, t'inquiète. En fait, il est trop fier de moi. Et le truc, c'est que je peux pas risquer de l'énerver encore une fois, tu comprends? Il y a un bar pas loin de Rossi Fremont. Je vais laisser quelque chose dans la poubelle à l'extérieur. Un micro. Va le chercher. Écoute, sans déconner, tu lui as foutu la trouille aux enchères. Depuis, personne n'accède au dernier étage sans sa permission. Même pas moi. On sera discret. Oh non, vas-y, sérieux. Putain. Ah, il commence à me faire rire, le Blackburn. Je commence à bien l'aimer, hein. Il commence à devenir assez intéressant en tant que personnage. Est-ce qu'il va devenir gentil? Je ne sais pas. Mais étant donné que ils nous ont quand même présenté sa grand-mère, hein, durant une intrusion chez lui, il y a peut-être des chances qu'il devienne gentil, ouais. C'est peut-être possible. Hop, pardon, excusez-moi. Donc, dégagez, monsieur. Hop, redégagez, messieurs. Ok, bon. Bah écoutez, on va directement à 300 mètres sans pression. Ok, c'est parfait. Le mouchard. Oh là 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 là. Ça sort une mission, les gars. À mon avis, la mission qui clôturera l'acte 2, je peux vous le dire, hein, va y avoir un mort ou quelque chose comme ça, parce que pour clôturer un acte, il n'y a rien de plus beau qu'un mort ou quelque chose. Tu peux dégager par contre, s'il te plaît ? Qu'un mort ou quelque chose de plus violent. Ou alors peut-être une révélation de folie, tout simplement. Allez, on va rentrer. Faut que je rentre dans... D'accord, comment ça marche? Ils se foutent de ma gueule, les types, là? Ou ça marche comment? Le rancard! Ouais, Moret, je veux bien! C'est par là? Bah voilà. Bonjour, messieurs. Ok, bah c'est parti, rancard, allez, go. Bedbug doit réussir. Je mise gros sur lui. Même s'il est loin d'avoir les épaules. Grâce à lui, je pourrais m'infiltrer discrètement. Enfin, si je l'envoie pas au casse-pipe. Mettez-vous en position et contactez Red Bull. Mettez-vous en position, c'est-à-dire position fétale, ça marche comment? Hop, faire des achats, on s'en bat les couilles. Ça, je prends. Hop, on passe. D'accord, bah écoutez, mettez-vous en position, pirate cet homme, et puis on va pouvoir y aller. Ma voiture est garée où? Ah, ma voiture s'auto-gare, parce que je... Ah si, c'est moi qui... Je m'étais garé comme ça, moi? Aucune idée. En tout cas, elle était un petit peu endommagée, celle-là est toute neuve, très bien. Bah comme quoi, les voitures se réparent plutôt vite, j'ai envie de vous dire. Oh, d'accord, mettez-vous en position. Ça, c'était le quartier un peu ghetto, ça... où dans l'épisode 6, 5 ou 6, j'avais tué pas mal de personnes. Oui, c'était des immeubles... un petit peu endommagé, d'accord, très bien. Bon bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne là-haut. J'espère que je dois pas refaire la même infiltration, sinon je trouverais ça un petit peu con. Et je dis beaucoup de un petit peu, hein, dans cet épisode, vous l'aurez remarqué. C'est pas grave, vaut mieux dire un petit peu que beaucoup un petit peu. Enfin bon. Dois m'infiltrer dans ce bâtiment et rester proche du signal de Bedbug. D'accord. Si on coupe tout contact, il va se mettre à paniquer. Non, oui, mais c'est le même bâtiment. Dois à tout prix le calmer. Please, ah non, c'est pas le même, d'accord, mais il lui ressemble beaucoup, ok, très bien. Bon, bah écoutez, monsieur, désolé, je dois m'infiltrer chez vous. Comment, je ne sais pas encore, je suis en train de chercher. Le mec, pas trop louche, hein, pas trop louche. Ok, on va essayer de passer par là, ça peut être pas mal, non? Passer par-dessus. On peut voir un truc là-haut? Non, pas du tout. Donc, comment rentrer là-dedans? C'est toute la question que je me pose. Oh là là, je vois pas. Bonjour monsieur. Je suis censé m'infiltrer chez vous, comment faire? D'accord, il n'est pas attiré par tout ce qui est à l'extérieur. Très bien. Mais attendez, on est d'accord que le seul moyen de rentrer, c'est ça, putain. Bon, et ben on va faire la manière forte. Vous êtes prêts? Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Donc on recule et on avance, évidemment. Hop, merci, au revoir. On recule et on réavance. Hein, vous connaissez un petit peu les délires. Hop, ça marche plutôt pas mal comme technique. Bon, on se fait un petit peu bombarder, hein, mais c'est rien. Rien de bien folichon. Ensuite, on sort, on prend un sniper, on vise évidemment, on met ralenti. Et on lui tire à peu près 12 balles. D'accord, donc cet homme ne craint pas les balles. Ça, c'est bon à savoir.
Que fait un civil en plein milieu, on m'explique? Ok, lui il m'énerve vraiment. What the fuck? C'est quoi ton problème? On peut s'arranger. De quoi? Mais c'est... Tu veux quoi toi? Mais qu'est-ce que tu veux, Moray? Mais dégage, Mickey Polos! Oh là 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 là. Bon bah j'ai tué un civil, les gars. Pas bon du tout. Sors ta tête, 2 secondes. Ça a pas duré longtemps. D'accord, très bien. Voilà, merci. Au revoir. Bon, j'ai l'impression que ça va mettre 2 heures. Bon, allez, on va y aller en mode à l'arrache. Hop, bonjour messieurs. Voilà, au revoir monsieur. J'ai pas réussi à le tuer du premier coup. Très bien, je suis passé pour un gros tocard. Voilà, au revoir monsieur. Ok, c'est fait. Mettez-vous en position et contactez Regbug. Mais quelle position? On m'explique Ah d'accord, très bien. Bon, on va déverrouiller. Et c'est parti mon kiki. Je sens que ça va chauffer. Ouais. Alors, t'es prêt? Ouais. T'es où? Pas très loin. Vas-y. J'ai le doigt sur la touche envoi si jamais tu joues au con. Ah oui, d'accord, effectivement, je suis juste dans le bâtiment d'en face. Très bien. Donc personne n'a entendu mes tirs. Parfait. Allez les gars, ça promet du lourd là. Et si je me fais choper moi? Il a confiance en toi, et tu le sais très bien. Y'a quoi à l'étage d'Irak? J'en sais rien, moi. Des pièces. Ah oui, y'a une pièce où Irak qui veut pas qu'on aille. Eh ben aujourd'hui tu vas y aller. Non, non. Y'a pas moyen, mec. Y'a une porte avec un code de sécurité pour entrer. T'inquiète, pense juste à approcher ton téléphone de la porte. Et tu vas y entrer dans cette pièce. Je suis pas une balance. Je parle pas aux flics, moi. Ça tombe bien. Je suis pas flic. Allez, avance, Coco. La trouille, mec. Guider Regbug jusqu'à la salle directe. Tu m'écoutes et tu bouges quand je te préviens. Tu verras, il t'arrivera rien. Ok, ok. Mais je peux pas le tuer à distance? C'est quoi ça? D'accord, j'ai piraté quelque chose. Allez, déploiement. Go, là-bas. Go, okay. Baisse la tête. Ok. Sacre à mort. Oh putain. Allez, go. Ça marche. Ok, bah il est cramé. Ouah, ça va être super chaud, les gars. Alors là. Ouah, 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 ouah. Comment? Est-ce qu'on peut pas donner l'ordre au type de buter le garde? Alors là, va falloir. Ça demande concentration, les gars. Tu m'écoutes et tu bouges quand je te préviens. Tu verras, il t'arrivera rien. Ok, ok. Avance. Ouais, ouais. Dépêche-toi. Allez, dépêche, dépêche, Moray. Allez, on bouge. Allez. Oh putain. Calme-toi. Où il a fait ça? T'as quel âge? 19, j'ai 19 piges, mec. Merde. T'es qu'un gosse. Non mais elle dit que j'ai toujours été grand pour mon âge. Ok, on va tout analyser vite fait. D'accord, donc voilà comment ça se passe. Ok, oh là 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 là. Putain, je dois l'emmener où le type? Putain, ah, mec oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, attends, il se passe rien là. Pirater ça. Je sais pas pourquoi je pirate. Putain, merde. Merde, ça c'est malin ce que j'ai fait. Ok, vous savez ce que je vais faire, vous allez voir, vous allez kiffer. Bougez pas, ça va être le kiff absolu pour vous, je pense. Lui, il est à l'autre bout du monde. Maintenant, on va perdre avec tes conneries. Allez, avance. Ok. Mais c'est quoi? Regardez, regardez les gars. Oh, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Mais pourquoi tu traînes avec ces abrutis? C'est ma famille. Ok, paye ta famille. T'as une famille, non, mais toi? C'est n'importe quoi, ouais. Putain. T'es gosse? Non, et toi? Ça se pourrait. Attends, merde, me fais pas rire, bordel. Ok. Ouais. C'est pas vraiment le moment. Go, écoute, va là. Va là, même, je dirais. C'est de la folie. Oh putain, faut pas qu'il se fasse okay, cramer, maintenant. Le coup. Ok. Go, go. Mais cache-toi derrière! Oh là là! Bon! Comment on va faire? Comment on va faire? Donc, il est là. Je peux l'attirer. Ça, c'est le store. Très bien.
Hey, il a bougé le truc, là. Allez, allez. Ça craint mort. Allez, avance. Ouais, oh, là, 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 là. Dépêche-toi. Oh, putain. Tu vois cette porte ? Je suis bon. C'est des serrures de ouf. Rapproche-toi un peu. Il y en a qu'un seul à pouvoir entrer. Attends. Allez, rentre, Coco. Faut que je regarde par ta caméra. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? D'accord, un ordinateur. L'ordi est juste là. Mais pourquoi tu fais tout ça au fait ? Ça a pas l'air d'être ton monde. C'est t'es profite, ce con ! On a tout le temps qu'il faut. Irak est impliqué dans une affaire qui fait souffrir ma famille. Ok, intrusion et pirate. Je veux des réponses. Bah, c'est pas si compliqué. D'accord. Alors, on va rester sur les caméras. On va faire une petite intrusion familiale. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Donc. Voilà comment faire, je pense. Et voilà. Là, on va faire. On va se faire gagner du temps. Ok. Bon, bah, go. Alors, écoutez. Voilà. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je sais quoi qui bloque là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Ok, d'accord. Très bien, j'ai compris. Voilà. Ensuite. 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 Voilà. Ok. Bon, bah, on est reparti à zéro. Écoutez, je crois que c'était ça. Ensuite, non pas du tout, c'était ça. Ensuite c'était ça et c'était ça. On repart et on va voir un petit peu comment c'était. Voilà. Hop. Mais pas du tout. Voilà, et c'était quoi ensuite? Mais merde alors, mais... Ah, j'ai envie de pleurer les gars. Je me souviens plus, ça faut que je le trafique, je le truc. Hop, c'était comme ça, voilà. Oh mon dieu. No. Bon, bah c'est pas grave, on va la recommencer pour la 30e fois à peu près. Ok. Allez, on se concentre. Donc, c'était comme ceci. Comme ceci. Voilà. Mais pas du tout. Voilà. Voilà, ensuite, c'était ça. C'était ça. Voilà. Et ensuite... Parfait. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc de ouf? Ferme-la. C'est quoi ce truc de ouf? Alors là, les gars, ça sent le casse-tête familial comme on les aime. Ok, bon. Déjà, on va partir par là pour ensuite faire ça. Lui, il faut le déverrouiller. Donc on va passer par ici pour ensuite faire ça. Voilà, on déverrouille. Ensuite, on passe par la moitié. Et puis, pas du tout. Et puis, pas du tout. Pop. Voilà. Il faudrait que j'arrive à ramener un signal. Comme ceci. Oh là 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 là, c'est quoi ces casse-têtes à la con, les gars? Voilà. Ah ouais? Eh ouais! Si je fais ça, bah voilà, ça donne comme ça. Et là, on est plutôt pas trop mal. On est plutôt pas trop mal. Voilà. Comme ceci. Ensuite. Ensuite. Donc là, on a un premier signal. On va avoir bientôt le deuxième. Est ici et puis c'est parfait. Mais pas du tout. Maintenant on fait ça et hop, on va direct au milieu. Voilà, bon, bonne chose de fait. Oh putain, j'ai cru qu'il fallait encore pirater un truc. Je me suis dit qu'on allait jamais s'en sortir. Ça, on pirate. Putain, qu'est-ce qu'il y a dans ces PC quoi? J'espère que ça vaut vraiment le coup. Ici. Pour refroidir les serveurs. La vache.
Il y a du sacré matos là-dedans. Là, rapproche-toi. Merde. Quoi ? Tu restes là. Non. Attends, c'est pas fini. Retourne-y. C'est quoi ce bordel, cousin? C'est pas ce que tu crois. Ah ouais? Et je crois quoi, d'après toi? T'es peut-être un putain de Judas, c'est ça? Comment t'as réussi à rentrer? Non, attends! Écoute, je t'adore, mon frère, tu le sais! Non. Tu sais qui t'a payé, couille? Non! Attends! Merde. Me mens pas, putain! Ah. Essaie pas de me mentir! C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir pris sous mon aile! Non, cousin, on est de la même famille, c'est pas moi! Il m'a forcé! C'est quoi ce délire? Il est là, tout près! Non! Me lâche pas, cousin! Me lâche pas! Bougez-vous le cul et trouvez-moi cette salope! Oh shit, les gars, ça sent les gros problèmes. Échapper au. Oh non. Bedbug, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tout fait comme je lui avais dit. Et Irak, il a tué son propre cousin. C'est à cause de moi qu'il est mort. J'ai pas obtenu grand-chose. J'espère que ça suffira. D'accord, je voulais pas faire ça, très bien. Ok, bon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis dans une merde, les gars. Ok, donc il est mort, ça me fait un peu chier par contre. C'était un bon gars, Putain, d'accord, ok. Donc je crois que j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de me faire cramer. Allez hop, j'en ai rien à foutre, c'est parti les potes. Allez, venez me chercher les gars, venez me chercher. Ok. Bon ben. Hop, un en moins, merci, au revoir. Donc j'ai fait deux homicides, par contre je suis bien deg. Ok, donc ça c'est... Voilà, shit. Ben non mais là je suis pas prêt de réussir à les... Ah non, mais ça sert à rien ce que tu fais, tu te fatigues. Oh là là, ça a tué personne genre. Oh non. Oh non, mais tout ça gagné pour rien, mon dieu, je fais des homicides. Je suis pourtant protecteur, hein, Bon, comment faire? Ah non, mais ça va être méga chaud. Mais arrête, toi, tu te fatigues. Oh là là, m'embête pas. D'accord, très bien, essaye d'éviter ça. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal, je vais pas te mentir. Ok, bah écoutez, bon, on fait un petit sens inverse familial, y a rien de mieux. Comment on fait pour la... Merde, pas du tout. Comment on fait pour la rue arrière? J'ai oublié. Allez, on lâche rien. Ok, comment leur échapper? Et ben voilà. Bon, par contre, autant vous dire que... Hop! Bonjour! Je sors de la voiture, je meurs. Salut tout le monde. Soit je me tire à pied. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je me tire à pied. Ils m'ont peut-être donné une voiture pour la manière forte, je sais pas. En tout cas, la zone me paraît super grande. On va essayer à pied. Donc, échapper au vice-roi, bah c'est parti, écoutez, on va essayer à pied, on va voir. Hein. Bedbug, rien à perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tout fait comme je lui avais dit. Oui, on a tué Redbug, oui, ça c'est bien dommage. Il a tué son propre cousin. C'est à cause de moi qu'il est mort. Oh, je suis sûr qu'il est pas mort, hein. Ça serait beaucoup trop facile. J'ai pas obtenu grand-chose. J'espère que ça suffira. Ouais, bah écoutez, bon, on va se tirer à pied au calme, hein. De toute façon, on a le time, regardez. Hop, oh putain, merde, il y a même des mecs à pied, quoi, please. Les mecs, ils ont prévu que un gars comme moi allait s'échapper à pied. Très bien, parlons-en. Oh putain, il tourne pas du bon côté l'enculé. Oh putain, il tourne pas du bon côté l'enculé. C'est une blague? C'est une blague? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hop! Excusez-moi, je peux prendre votre voiture? Excusez-moi, je peux prendre votre voiture? Hop, merci, bougez pas. Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Bon, bah, une voiture en moins, j'ai envie de vous dire. Ok, donc on n'a pas trop le choix, on est obligé de les tuer tout simplement. Putain, merde alors. Allez. Voilà, hop, merci, au revoir. Bon, ça c'est fait, je les élimine, hein. Un par un comme ça, de toute façon on n'a pas le choix, je viens juste de m'en rendre compte. C'est comme ça, c'est la vie. Hop, on va à droite au calme. Allez, viens Coco, vas-y, tu veux faire le show, il n'y a pas de galère, moi je suis là. Merde, j'aurais dû prendre l'autoroute.
L'autoroute, pardon. Alors, c'est pas grave. On va faire demi-tour maintenant. Hop, me foncez pas trop dessus, les gars. Bon, ils sont 4. Il y a moyen, ils sont 4. Ça va être pas trop trop compliqué. Je me suis débarrassé de deux voitures. Hop, voilà. Toi qui voulais me pousser à droite, bah c'est parfait. Bon, écoutez, on va à la ville la plus proche, histoire d'être bien. C'est-à-dire qu'on va aller... Bougez pas. Oh putain, j'aurais dû me mettre ici, voilà. On va aller ici. Et puis on va voir un petit peu comment ça va se passer. Hop. Pardon, tu peux partir, il y a moyen. Voilà, on va faire ça et on va se barrer dans la ville des Bourges, histoire de se mettre bien. Putain, il y a toujours 4 véhicules qui me suivent, ça sent la poursuite de l'éternel encore une fois. Hop, pardon. Voilà. Non, pas du tout. Non, pas du tout, j'ai activé le truc, mais ça m'a pas fait de kill. Non, mais t'es tellement con, toi. Oh putain, ils sont méga relous. Oh là 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 là. Allez, putain, mais ça a tué personne. Hop, bah alors, les gars. Ça reste à l'arrière. Ok. On va essayer de faire ça en plein Chicago, hein. On va vraiment essayer de... Voilà. Allez, allez, dépêche-toi. Oh là là, là, il y a moyen de faire une élimination. Ah, mais c'est pas un pont. Très bien. C'est pas du tout un pont. Oh, les boules. Comment on fait la vue arrière? Comment on fait la vue arrière? Non, il me suit toujours. Allez, j'aimerais bien essayer 2-3 touches. Non, pas du tout, tu me rends pas dedans. Voilà, quand je te disais, tu me rends pas dedans. Allez hop, élimination de véhicule, 1 en moins, ils sont plus que 3. C'est pas mal. Merde, on a foiré là sur le coup. Bon, c'est pas grave. Là, avec tous les feux qu'on va avoir, je pense que je vais m'en sortir un peu plus facilement que dans la partie ghetto. À voir, je dis ça, mais en fait, pas du tout. Regarde bien ce que tu vas... Ouh, ce qu'il a pris. Aïe, 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 ils sont plus que deux, les types. Allez, venez, les gars. Venez, c'est moi qui vais régaler. Oh, la doublette. La doublette. Ça, c'est beau, les gars. Ok, bah, il n'y a plus qu'à se barrer. Parfait. Parfait, okay, parfait. Mec, on est dans la place. C'est parti. What? Merci, merci. Quelqu'un l'a mis dessus. Ok, d'accord, donc je vais devoir leur échapper. Putain, ils te refoutent deux voitures sur le tas, quoi. Sans déconner. Allez, la limite est bientôt, allez. Je peux le faire. Hop, on active derrière, ça va être beau. Putain, mais c'est quoi la touche pour regarder derrière? Je me souviens plus, c'est horrible. Hop, on active aussi derrière, ça va être beau. Ok, c'est bon là. Et voilà. On lâche l'affaire. Ouf, voilà une bonne chose de faite, les amis. J'ai envie de vous dire, échapper au vice-roi, c'est fait. Bon, bah dans la prochaine vidéo, on va commencer l'actu 3, ça c'est beau. Le chargement est incomplet, mais on a quelque chose, oui. Son ordinateur est rempli de documents pour faire chanter et... tout le monde, en fait. Écoute un peu le nom des dossiers. Sextape chef de police, Potvin PDG Bloom, Intrusion City OS... Irak détient l'arme la plus dangereuse de toute la ville. Pas étonnant que les flics lui foutent la paix. Il a dû avoir une discussion avec le chef de la police. T'as accès au contenu des dossiers ? Pas encore, mais j'essaie. Y a un dossier sur l'affaire Merlot. Merlot ? Oui, y en a un. Parfait. J'arrive bientôt. Bon, acte 2, le mouchard, c'est fait. La fin de l'acte 2 va être mission complete. Voilà, ça c'est beau, ça, quand ça apparaît, c'est beau. Oh putain, on monte encore de niveau, mais ça c'est bon. Alors attendez, j'ai gagné combien de points de compétence ? 2. 2, c'est-à-dire 2 fois plus de plaisir. Attendez, y a un truc qui m'intrigue, le gilet pare-balles, là. Ok, les dégâts infligés par les explosions. Et ça, c'est quoi? Pilule permettant une récupération instantanée de mes grosses testicules. Ok, bon, bah écoutez, le reste, c'est pas très intéressant. On déverrouillera petit à petit. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'attends le coup de fil magique, comme Allô on dit. Allô, ça marche toujours, ce truc? Bad Bug, il faut que tu sortes de là. Ça y est, t'inquiète. Je me suis dit que je pouvais peut-être t'aider, tu sais, à trouver des réponses par rapport à ta famille. La vidéo qu'on a vue sur l'écran, Irak m'a demandé ce que je savais dessus et sur Rose Washington. Rose Washington? Je sais pas qui c'est, mais elle est dans la vidéo. Irak m'a dit qu'elle était morte. Ok, merci. Ça m'aidera peut-être. Ouais. Sinon, toi et moi, on est quitte. On est quitte. T'as fait du bon boulot. Et ben voilà, les amis! Ça, c'est beau. Bon, bah écoutez, on va se garer au calme.
On attend l'autre appel magique. En attendant, je vais faire star pour pas qu'il survienne pendant que je vous dis au revoir. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Je vous fais d'incroyables bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.